Et Yomina, c'est Maître Derrien, on se retrouve pour la suite de Digimon Cyber Sleuth, épisode 14. Alors là, avant de commencer, je voudrais vous montrer tous les Digimon que j'ai. Et ça va être la séance Digivolution. Je vous ai dit, je vous ai entraîné pas mal de Digimon et vous allez voir que je n'ai pas des conneries. Et ce n'est que le début. Donc on va commencer à Digivolver notre Greymon, je pense, ouais. Notre Blue Greymon qui est niveau quand même level 40. Et on va le mettre. Il fallait être niveau 30 pour Metal, Blue Metal Greymon. Donc ce qui est largement plus que suffisant pour la Digivolution. Toi, il envoie du pâté. Ouais, je préfère dire Black Metal Greymon, mais c'est vrai qu'il ressemble plus à du Blue que du Black. Nous avons donc le Metal Greymon Blue. Ensuite, nous allons taper dans du dur, du Garurumon, pour avoir, pour se développer en Wear Garurumon. Il fallait être niveau 28, on avait le niveau suffisant pour le digivolver. Wear Garurumon version Black. Regardez comme il envoie. Oh, purée de... Ah, Full Moon Kick. Son attaque signature. Donc là, on va taper dans du... Guilmon. Donc Guilmon. Guilmon, nous n'avons pas torté du cul pour chez droit. On va pas le mettre en Tyrannomon ou Geogreymon qui ne sont pas encore identifiés dans le... Dans les évolutions, Digivolution parce que je les ai pas faites. Donc on va faire un Grolmon. On essaye de taper dans du dur parce qu'on ira, on essaiera d'aller dans du Galantmon et tout. Quelque chose de bien badass, oui. Donc, voilà pourquoi je tape dans ce truc-là. Donc maintenant, Dolumon. Le Dolumon, nous allons le mettre en Dolugamon. Parce que le premier, c'est Cyclonemon, Guardomon pour le, deux, pour le troisième, et le quatrième, je ne connais pas. Donc, on va aller directement dans taper dans du Dolugamon. Et comme il est niveau max, on digivolve. Déjà, Dolumon est mignon. Il enlève son côté mignon pour mettre un côté un petit peu plus dark et badass. Donc, Dolugamon. Qui est très très beau. Il faut vraiment le dire. Je suis vraiment content. Power Metal, Walken Napal. Ok, d'accord. Bon, nickel. Maintenant, nous allons taper dans le... il nous reste encore quelques-uns. 3-4 à digivolver. Allez, Gargomon. Et donc, le premier, c'est... Je vois pas ce que c'est. Le deuxième, c'est le lapin. Mais nous, on a envie de se taper dans le... Dans le Rapidmon. Quelque chose de... Assez quand même... Assez sympa à jouer. Assez sympa, ouais. Donc, un petit Rapidmon. Voilà. Comme vous voyez, il est super beau. Donc oui, on essaie de... On digivolve entre des Digimon champions et Ultimate. Ou je crois que c'est que des Ultimate. Attends, Dolugamon, c'est un champion. Grolmon c'est un champion. Ouais ouais, il y a de l'ultimate et du champion. Donc là Tankmon. Tankmon, nous avons visé quelque chose de bien haut. Donc le premier c'est High Andolomon. Le deuxième c'est Gigadolamon. Et nous on veut Gigadolamon. Pourquoi vouloir Gigadolamon? Je vais vous le montrer après. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai tapé dans du Tankmon et du... Ah oh, purée il est beau. Je connaissais Megadramon, mais Gigadramon, il me disait... Ah non, il ressemblait pas à celui que je pense. Donc il y en a différentes formes. Et lui, il est assez darkness. Oh, il est beau. Génocide. Génocidal gear. Donc les engrenages génocide. Ouh. Il envoie du pâté de sa mère. Et pourquoi je tape dans Gigadramon? Regardez. Après Gigadramon, au niveau 50, on peut se taper un Machine Dolamon. Ou plutôt connu en japonais sous le nom de Mugen Dolamon. Donc Machine Dolamon, il va falloir avoir Gigadramon au niveau 50. Bon, c'est pas d'ici là, mais on essaie de l'avoir assez rapidement. Donc, il y aura de l'XP en cours. Donc là, on va taper maintenant dans Kulisalimon. Kulisalimon. Kulisalimon, là, on va se mettre carrément un Infermon. Infermon est bien badass et se digivolve plus tard en Diaboromon. Le méchant de base, de toute façon Infermon et Diaboromon, le méchant de base du premier film Digimon. Et franchement, celui-là, je suis trop content de l'avoir. Oh, il est beau. Infermon. Et le prochain sera Diaboromon.
qui sera super beau. Et Sukamon, on va taper dans un Digimon super sympa. Pas obligatoire, parce que voilà, le premier c'est Starmon, le deuxième c'est celui qu'on va faire, et le troisième c'est Vademon. Il faut être niveau 26. On a tout ce qu'il faut, mais il manque... Ah ouais, il manque un peu. SP en max, SP 85 et j'en suis à 84. On a augmenté un niveau et c'était bon. Mais moi j'ai envie de taper dans le deuxième. J'ai envie directement de le... De le digivolver en Etemon. Voilà, on s'emmerde pas. Joli et badass Etemon. Type Virus Ultimate, Love Selenade. L'attaque signature. Les premières sont toujours les attaques signatures. Et voilà. Et mon équipe de base est un Mega Kabuterimon, Metal Greymon et Wizardmon. Pourquoi j'ai pris Wizardmon? Tout simplement Wizardmon, il a été pris pour le la digivolution finale en Belzemon. Donc attendez, je crois que c'est fini. Donc on va lancer le truc. Voilà. Si vous voulez faire augmenter pour avoir, si vous voulez, donc on va déjà changer le leader Gigadramon. Si vous voulez avoir des quêtes, vous faites commande et investigate. Ça vous donnera des enquêtes pour trouver pour les petites enquêtes qu'on va faire en ce moment. C'est grâce à ça que j'ai trouvé. Donc voilà, si vous voulez faire les missions que j'ai fait, vous lancez les investigations et lancez la troisième dans le commande. Troisième pour investigation pour les quêtes. Deuxième c'est pour créer des objets. Et le premier c'est pour les Digimon. Donc on va faire alors on va chercher ensemble directement les quêtes. Et aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on va faire 4 quêtes de chaque. Donc là, on va faire 4 quêtes. Et dans le prochain, on va faire encore 4. C'est histoire de finir ces petites quêtes que j'ai pu réussir et qu'on pourra faire ensemble. Alors, client Kuramon à Kulun de niveau 2. Il voudrait qu'on lui retrouve... Ok, il veut retrouver un objet qu'il a perdu. En gros, il a Kulun, il est au numéro 2. Et notre cher Kuramon... Oui, Kuramon a perdu un objet. Mais quoi comme objet? Je ne pense pas que c'est indiqué dans la quête, donc ça doit pas être un objet vraiment rare ou intéressant pour les futurs épisodes. C'est juste des petites quêtes à côté. Alors qu'est-ce que tu veux? Oh, tu dois être ici à cause de moi. Allez, ne sois pas timide. Je suis un vrai petit charmeur. Voici ce qui s'est passé. J'ai perdu quelque chose de précieux et qui est à moi. Et j'aimerais que tu le retrouves pour moi. Je l'ai perdu dans les alentours de Kulun 2. Crois-moi, je ne me trompe jamais. Ok. Si tu arrives à le retrouver, je suis sûr que je te paierai. Alors trouve-le et fais de ton mieux. Ok, donc notre cher petit Kuramon a perdu un petit objet qu'on doit retrouver. Cool. Donc en fait, les petites quêtes du bas, c'est que des trucs pour trouver des objets. Bon, ça sera rapide et sympa. Mais je pense que si c'est assez rapide et sympa, je pense que je vous en ferai 4 dans celui-là et 4 dans le prochain épisode. Histoire d'avoir terminé toutes ces quêtes que j'ai pu investir avec le Digifarm. Allez. Bon, les combats, on les fait quand même parce que... Voilà, vous allez dire, ok, bon, tu combats des Digimon, tu vas gagner un XP de minable, voilà, de 92, ça te sert à rien. Non, non, je suis désolé. Quand j'ai XP mes Digimon hors vidéo, pour avoir Wizardmon et tout le reste que vous avez vu se digivolver, et ben, en fait, des fois, il te manquait même 15 XP. 15 XP pour un purée de level. Et donc, obligé d'attendre, enfin, de faire un petit aller-retour, de faire le petit combat. Non, donc, je préfère vraiment faire le combat. Intéressant. Bon, Wizardmon, il est pas fort, il fait pas de gros dégâts. Mais c'est pas le plus important. Voilà, Wanyamon qui est scanné au niveau max. Où as-tu perdu ton objet, mon petit Kuramon? Dans les alentours de Kulun 2. Donc, toi, tu prends ça. Wizardmon, un petit coup de baguette magique. Non, ça suffit pas. Ok.
Donc ouais, je me suis dit, au lieu d'avancer un peu dans l'aventure, on se fait quelques mini-quêtes ensemble. J'avais envie, j'ai eu l'idée, j'ai mis la console, je me suis dit, allez, on se fait une petite vidéo sympathique pour pouvoir digivolver avec vous mes Digimon. Hein. Je voulais le faire en vidéo, ça, c'était obligatoire. Alors, il est où le truc? Ah, il brille, regardez là-bas vers le coffre. Je le vois. Ah, il est quasi à côté. Ok. Donc voilà, je me suis dit, je fais une petite vidéo pour vous. Et je voulais vous voyez les digivolutions et les Digimon que j'ai augmenté de niveau. Grâce à la farm et grâce à moi aussi. De deux trucs différents pour pouvoir augmenter à la farm et aller à Kulu niveau 3. Pour le moment, le plus haut niveau que j'ai. À part les quêtes. Pour pouvoir augmenter. Ok, donc x0,5. Tu fais vraiment pas mal. Niveau 30, niveau 30. Eh ben c'est nickel. Je crois que dans les 35-40, on peut se digivolver. Ok. On a trouvé la propriété de quelqu'un. Donc, je suis désolé si ça vous fait chier qu'on fait l'aller-retour, mais j'aime pas faire des ellipses. Je préfère vous parler, faire des petits combats et ouais, voilà, parler ensemble. Enfin, parler. Vous pouvez pas parler avec moi, mais je préfère vous parler. Je trouve ça nettement plus intéressant. Alors attendez, ça donc. X-Los Shen Attack Combo. Allez, casse-toi. Et je fais pas beaucoup de Digimon Cyber Slot. J'enchaîne beaucoup les épisodes avec Digimon Adventure. Mais une fois que celui-là sera terminé, j'essaierai au moins de terminer Cyber Slot avant d'enchaîner un autre Let's Play. Parce que je vous dis sincèrement, quand vous enchaînez les jeux, que vous êtes fan de la licence Digimon, et que vous lancez un Digimon Adventure, le jeu qui est repris de l'anime qui a fait votre enfance, vous avez trop envie d'avancer parce que vous savez que c'est excellent, et le nouveau qui est sorti de Cyber Sleuth, et bah, jouer entre les deux, lancer de l'XP avec la... soit lancer des investigations pour les quêtes qui durent 120 minutes ou... Ouais, 120 minutes. Donc entre temps faire un épisode, faire un montage, on enchaîne les vidéos et franchement je suis... Ah ouais, là j'enchaîne les vidéos et c'est excellent. Donc dès que j'en aurai terminé un des deux en priorité, de toute façon ce sera je pense Adventure. Ou celui-là, peut-être par chance. Et dans les deux cas j'attendrai d'en avoir fini au moins tous pour en enchaîner d'autres. Parce que des Digimon, je vais en faire un peu plus de vidéos dessus. Avant j'hésitais à en faire, sincèrement j'hésitais à faire des vidéos de Digimon parce que pour certaines petites raisons... Waouh, tu l'as trouvé! Mon précieux, tu es un bon détective, je vais garder un œil sur toi pour le moment. Oh c'est sympa. Voilà la propriété. Tu auras ta récompense une fois que tu seras retourné à l'agence. Quand tu l'auras, je pense que tu seras content du temps qu'on en a pu passer ensemble. Je crois qu'il a dit le temps qu'on a passé ensemble. Ouais. Logout. Kulami, Detective Agents. Ok, qu'est-ce qu'il y a en mail, en Digiline? Thank you. Il est content, oh, tant mieux. 500 yens, ok. Il n'y a pas de soucis. Trouver des objets perdus est le travail le plus basique pour un bon détective. Tu dois être au top du top pour ce genre d'enquête. Voilà, en gros, on doit être sûr d'être au top pour pouvoir se faire deux ans d'enquête. Le prochain, est-ce qu'on fait une propriété de machin? À la recherche d'un cœur. Ok. Mirai Rekagora, je recherche un cœur. Il faut trouver Jiru. À Kulund. Ok. Donc comme je disais, pourquoi j'ai pas fait de... Comment dire, de Digimon, parce que je me suis dit... Peut-être que ça aurait pas intéressé des gens, ou peut-être que... Je sais pas, pour plusieurs raisons. J'avais peur de les faire, mais maintenant... On s'en bat les steaks. Alors, vas-y. Ah non, mais en fait, il faut pas peut-être parler à elle.
Oui, en fait, non, en fait, je suis en train de me dire, ça se trouve, faut peut-être pas parler à Milay, en fait. Oh purée, j'ai 64 847 yens. T'as vu ça, mon petit chat? Bah oui, tu me décales. Bon, je suis en vidéo, hein. D'accord? Allez. Voilà, va te coucher là-bas. Bon, on y va. Je suis un peu enrhumé. Je suis désolé. J'espère que ça s'entend pas trop dans ma voix. Bon. Donc. Il faut trouver un hacker. Qui se trouve dans Kowloon. Donc le hacker de toute façon aura un point d'exclamation. On va pas s'emmerder. Dès qu'on le trouve, on lui pète la rondelle. Alors ça là. Mais je reprendrai un peu plus les vidéos de League of Legends, de Naruto. J'essaie d'alterner, et puis c'est un Kagwan, j'aimerais le terminer aussi plus rapidement. J'ai beaucoup de vidéos, différents let's play que j'ai enchaîné, comme vous allez dire, et qui ne sont pas terminés. Mais bon, moi ça propose des variétés sur ma chaîne. On va dire qu'il y a divers let's play. Et ce qui est assez cool. Voilà, nickel, nice. Alors attendez, je coupe vite fait le micro parce que si je me rapproche en même temps, mais je vais jouer en même temps, vous inquiétez pas. Je vous reprends, je coupe juste vite fait le micro parce que ça fait du bruit du côté de chez moi et c'est pas agréable, donc je coupe juste le micro, mais je joue toujours. Je suis là dans même pas une minute. Voilà, heureux les amis, comme ça, ça fera peut-être moins de bordel dans du côté de chez moi. J'y rouvrirai tout à l'heure. Sinon c'est pas grave dans une vidéo, ça m'entend tout le bordel dehors, il doit avoir la fête, une connerie comme ça. Alors, c'est un hacker de la Blacklist. Lui parler, oui. Je ne voulais vraiment pas être un hacker de première classe. Je te le jure. Mais... Ah ! Ok. Ça se trouve, il se fait contrôler par les Digimon, lui aussi. Ok, bon, ça va être très très rapide, hein. Un petit coup de méga Kabuterimon. Ouais. x2. Voilà. Bon, ça fait de l'XP, une médaille de demi de Vimon. J'ai été menacé en étant hacker ou autre. Mais maintenant, je vois la lumière. Je vais arrêter ce que je fais et revenir en arrière. Merci à toi. Ok. Le hacker s'est repenti. Je vais donner mon rapport et retourner à l'agence. Ok, d'accord. C'est nickel, bon. Le deuxième est terminé. C'est déjà ça. C'est cool. On peut revenir en arrière. Vous pourrez dire, oui, je pourrais esquiver les combats. C'est vrai, vous n'avez pas tort.
Mais il y en a certains qui donnent pas mal d'un petit bout d'XP, donc ça peut être quand même intéressant. C'est bien Metal Greymon. Il faudrait que je me fasse. Alors par contre, j'ai vu ça sur une vidéo. Parce que moi j'écoutais les musiques j'aime bien écouter les musiques des jeux. Donc j'écoutais celle de Cyber Sleuth, certaines. Parce que dont celle de l'agence Kurumi, qui est vraiment magnifique et magique. Et j'ai vu ça à un moment, j'étais en train de faire quelque chose à côté en écoutant la musique. Et tout de suite après la musique que j'ai écoutée, ça m'a mis sur une vidéo. Alors j'ai vu le titre. Pour gagner plus d'XP dans le jeu. Et pour gagner plus d'XP dans le jeu, il nous faut un Platinum Succamon. Donc j'essaierai d'en faire un. Il nous faut un Motimon qui se mettrait en Agolomon, qui lui se mettrait en Platinum Succamon, qui donnerait un peu plus d'XP. Donc je pense que je me ferai un Platinum Succamon. Ça peut être pas mal. Bon, si vous savez pas que vous jouez ce jeu, vous avez commencé, un Platinum Succamon augmente l'XP en fin de combat. Ouais, on va log out, parce que pas besoin de parler au client. Le client donne directement la récompense, hein, on n'a pas à parler. Si je ne dis pas de conneries. Ok. À la recherche du hacker. Alors, tu as terminé, tu as fait du bon boulot pour Mireille. Bon travail. Vous... Ok, donc, on nous l'a déjà dit celle-là pour... quand on avait fait la toute première enquête pour Mireille. Donc allez, on en fait encore deux. J'ai envie de faire celle de Numémon. Client, Numémon a coulé au niveau 3. Et il a aussi perdu quelque chose de précieux. Ok, et on gagne la médaille de Numémon. Et bah moi je dis, on y va. On va aider ce pauvre Numémon. Numémon qui est dans le même cas qu'un Succamon. Quelque chose qui est basé sur le caca. L'autre est jaune. Et sa mâchoire est séparée de son corps. Enfin le haut du bas de la mâchoire est séparé. Et l'autre c'est un truc tout... Voilà, tout vert avec la langue qui pend et les yeux là. Voilà, qui vit dans les égouts aussi. Oh, hi détective. Je pourrais te sentir de loin. Voilà comment je savais que tu allais venir. Parce que je lui dis, il sent la merde. J'ai quelque chose de triste à te dire. J'ai perdu mon précieux quelque part. À quand ça remonte la dernière fois que je l'ai vu? Je pense que je l'ai vu dans les alentours du Kulun niveau 3. Si tu peux le trouver pour moi, je te promets que je te donnerai quelque chose de bien. S'il te plaît. Ok, y a pas de souci mon petit Numémon, on va trouver ton précieux. Alors, on va commencer par la gauche. Alors c'est cet endroit là que je vous dis où ça donne bien de l'XP. Et vous allez voir que si on fait des vrais combats, pas contre les petits champions entraînement. Voilà, vous allez voir qu'après ce combat là, ça donne quand même pas mal d'XP. C'est pas le meilleur trio, enfin pas le meilleur groupe qui donne de l'XP. Vous allez voir que ça en donne quand même. Ça me donne 208 d'XP. Bon, niveau 19 pour Wizard Mode. Ok, vous allez dire c'est pas... C'est bien, mais c'est pas fifou. Et je suis pas loin dans le jeu, hein. J'en suis qu'au chapitre 3 ou 4. Hein. Sur les 19 ou 20... Vous voyez déjà que c'est pas mal en XP. Avec un Platinum Succamon, ce serait nettement meilleur. Est-ce qu'on tente de faire un petit skill? Nightmare 2. On va tester. 866. Ah ouais, quand même. C'est bien. On a l'avantage, on était en x2. On avait l'avantage par rapport à la tribu. Son précieux n'a pas l'air d'être ici. Où peut-il le trouver? Voilà, là, par contre, ce combat-là est totalement inutile parce qu'il donnera pas beaucoup d'XP.
Voilà, c'est ce combat, ce... Comment dire, ce genre de combat là qui ne va rien donner. Allez, on teste la deuxième zone sur la troisième. Pour trouver le précieux de Numemon. S'il est dans la troisième zone, au pire, ça nous, c'est pas de la perte. Ça nous fera de l'XP. Il y aurait pas de combat, ça ferait encore moins perte de temps côté vidéo. Mais d'un côté, je suis content qu'on puisse XP en même temps. C'est cool. Allez. Tsunemon médaille. Encore du G-Line. Qu'est-ce que tu veux? Thanks for being. Ok, d'accord. Bon, c'est la même chose que nous a dit Metal Greymon la dernière fois. Et ce qui est bien, c'est que si vous mettez vos Digimon qui augmentent un peu d'XP dans la Digifarm, ils vont diront, si le Digimon est au niveau max, ils vont diront, s'imaginons, vous avez mis Motimon, ils vont diront, votre Motimon est niveau max. Donc vous pourrez y aller et le faire digivoluer. C'est pas le groupe qui donne plus d'XP celui-là? Je suis pas sûr, non, je crois pas. Nickel. Alors, mon cher petit bête. Mon cher petit Nimémon, où as-tu caché ton précieux? Dans la zone 3 de Kulun. Dans la zone 3 de Kulun. Tu es sérieux là? Ouais, tu l'as vraiment perdu loin quoi. Enfin, de quel an c'est à côté? Parce que toutes les trois zones sont dans trois endroits différents, mais sont à côté. C'est vraiment dans les alentours en fait. Non. Où a-t-il perdu son précieux? Ah, il est là! Je le vois briller! Oh, je t'ai eu, je sais où il est! Ah, c'est trop bien! Médaille d'Ikakumon. Oh non, la shroom! Ah, il m'a baisé! Oh, le jeu m'a littéralement baisé! Il est où ce précieux? Le jeu m'a foutu une sacrée claque! Je croyais que c'était le précieux, non. C'est juste la médaille d'Ikakumon. Va falloir que je donne mes médailles à... au Medalman. Zoubida, zoubidou, zoubida, zoubidou. Où est ce fameux précieux? Qu'est-ce que c'est que ça? La propriété de quelqu'un. Ah, c'est bon. Numemon, j'ai trouvé ton précieux. Allez, viens. Viens me faire un gros bisou. En fait, non, non, fais-moi pas de bisou. Non, non, après, j'ai pas envie d'avoir la grosse langue sur moi. Oh. Mais c'est mon précieux. Celui que je cherchais. Yeah. J'ai donné ta récompense à ton agence. Merci pour tout, détective. Tu es le meilleur. You're the best. Merci. Bon, bah maintenant, plus qu'à... plus qu'à en faire une dernière. Ok, donc trouver les objectifs, c'est la base du détective. Ok, bon bah c'est ce qu'on sait ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Client.
On va peut-être faire Betamon, Sorcerimon. C'est un Wizardmon, mais en version blanc. C'est une sorte de truc alternatif, Caramon. Non, j'ai envie de faire Betamon. J'ai envie d'aider un Betamon. Client Betamon a lui aussi perdu quelque chose de précieux. Ok, il a coulé le niveau 3. Et, faut une, et on aura une Betamon médaille. La médaille de Betamon. Je suis preneur. Allez. Oh, je suis content que tu sois là, détective. Je ne sais plus quoi faire. Ah, mon gars, il est perdu en gros. Ce qui ne va pas, tu me demandes? Bien, j'ai perdu mon précieux. Et c'est pas bon du tout. Je pense l'avoir laissé dans les alentours de Kulu niveau 3. J'ai tellement de la peine. Je ne peux pas le trouver moi-même, détective. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, retrouvez-le pour moi. J'en ai vraiment, vraiment besoin. Eh ben, y a pas de souci, mon petit Betamon. C'est ma dernière petite enquête de la soirée. Je suis en train de tourner cette vidéo, il est quelle heure? Ouais, il est quasi 22. Ah non, il est quand même minuit. Ah, bordel de merde, il est minuit. Ah ouais, quand même. J'ai fait beaucoup de montage avant de jouer. Là-bas, il n'y a rien au fond. Déjà à l'avance. On perd moins de temps. Là, il n'y a rien. Allez. Allez, Zubida. Taïe, Gimon, à ton tour. Ah, il est costaud ce petit con. Hein, bah, les attaques basiques, c'est pas ce qui fait mal. Hein. C'est comme vous voyez dans Digimon Aventure. Nos attaques basiques feront du 200 alors que nos coups feront du 700-900. Mais j'ai pas envie d'utiliser mon skill pour des petites bestioles encore. Ce serait des Digimon champions hautes. Le niveau serait bien parce qu'en plus on augmenterait beaucoup d'expérience. On aurait beaucoup plus d'expérience et on aurait besoin de les défoncer à coups de spécial. Mais là, c'est pas obligé, franchement. Betamon qu'on peut one-shot. Allez, on va aller faire un Giga Destroyer. À toi. Okay. 1000. Oh, je viens d'avoir un trophée. 999 de damage. Ah, j'ai dépassé la barre des 999, c'est pour ça. Thundercloud. Et maintenant, on va faire un Hornblast. Parce qu'en plus on augmente de niveau juste derrière. En plus c'est nickel. 31 pour Metal Greymon et Mega Kabuterimon et 20 pour Wizardmon. C'est trop bien. Bon, où est ton précieux mon petit? Ça ne veut rien. Où est ton précieux? Ah oui, on a trop d'HP. Oui, tellement que j'utilise pas mes objets pour le moment, on a tellement d'HP que ça passe trop, ça passe crème. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. J'aurais peut-être dû passer par le haut pour voir s'il y a quelque chose. Non, c'est pas grave. On fera après. Zubida. Nickel. Voilà, c'est bien mon petit Metal Greymon, je suis content. Ouais, on peut remonter, ça se trouve le précieux peut être dans ce petit endroit qui est inaccessible pour nous. Oh, t'as raté. Oh, t'as raté. Oh, Metal Greymon, Metal Greymon qui rate une attaque. Eh ben,
Celle-là, tu vas la rater. Ah non, c'est bien. En plus, en critique, 644. Je suis fier de toi. Nickel. L'XP est bien en plus ici. La Kulun 3, moi ça me plaît. Ah, la propriété de quelqu'un. Bon bah c'est bon, nickel. Ce sera la fin. Si ça vous plaît, de toute façon, je pense que entre temps, vous me direz ça, mais j'essaierai de faire la deuxième partie avec les 4 quêtes restantes. Après, je sais pas si on peut récupérer encore d'autres quêtes qui seront dispo. Ou est-ce qu'il y aura que ça? J'essaierai de les remplir et de leur relancer la quête pour essayer d'investir une nouvelle enquête par rapport à trouver des précieux. Peut-être que ça nous aidera. Mais je pense qu'il faut peut-être en finir certains. Allez, viens la Betamon. Tu es de retour. Tu es incroyable. Merci. Tu trouveras ta récompense dès ton retour à ton agence. Je suis soulagé. Maintenant, je n'ai plus aucune peine. Je suis content pour toi, mon petit Betamon. C'est cool. Allez, on retourne à l'agence. Nickel. On va conclure cette fin de vidéo avec le Betamon, la propriété de Betamon terminée et une médaille. Ok, trouver les objectifs et la base, un détective, ok. Bon, bah les amis, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, elle va durer quand même dans les alentours de quasi 40 minutes, donc c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, aux abonnés. Et moi, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.